puis j'en ai marre. Hé, hey, oh, ça va pas bientôt finir, non? Et bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne petite semaine. Bonsoir à ceux qui sont en direct, à la majorité silencieuse, qu'elles soient en direct donc ou en replay sur YouTube. Alors, on va continuer ce soir tranquillement donc avec un épisode donc Anomaly. Salut Hughes, let's go! Alors, j'ai bon espoir, peut-être la semaine prochaine, on va peut-être essayer de refaire une petite série à l'arrache, médiévale. On va voir, ça me trotte, ça me manque. Salut Elf Toro, salut Angeltini. Donc, on va voir ça. Je n'annonce pas de date pour l'instant, hein, ça porte bien son nom, c'est à l'arrache. Mais on verra ça parce que ça me manque. Hein. Même si c'était pas, même si c'est pas vraiment une petite campagne, une petite série médiévale, c'est quand même très 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 bien sympathique. Salut Bûcheron. Salut Mimi, salut Tachi. J'ai manqué de live, mais j'ai rattrapé mon retard, je suis à jour. Yeah, c'est ça qui est bon, ça. Alors, on avait fini donc sur une vague de 36 zombies qui sont en approche. Ils sont nombreux, ils sont plus ou moins résistants. Hein. Je n'ai que des zombies, malheureusement. Il n'y a pas de... J'ai pas de gros mastodonte. Salut Galgarad. J'ai malheureusement pas de, de mastodonte ici, comme ça. Il me manque toujours un événement ou la brume ou alors les mastodontes pour pouvoir faire avancer au niveau 2 mon monolithe. Donc on va voir ça. Pour les fragments, tu as 50% de chance de drop sur les anomalies. Ah, ce qui veut dire qu'en gros, on va peut-être pouvoir commencer à ressusciter si on chope des trucs. Ça, c'est cool. Ce jeu est tellement facile, première partie depuis 3 ans, et paf, colonie décimée par une belette. Lol, CG. Avec un peu de chance, certains iront au bûcher. Tu parles des zombies ou tu parles de moi? Parce que si tu parles de moi, oui, c'est possible. Alors, on va essayer de les poules. Ni plus ni moins. J'ai ma salle qui est plus ou moins prête, là. Moins que plus, et encore moins ici. On va voir ça. Les zombies. Salut Vand. On va les laisser avancer tranquillement, et dès qu'ils commenceront un petit peu à faire le tour, je pense que je vais essayer de les pouler. Alors, bien entendu, normalement, on est en Fort Alamo Carni, on est d'accord, je vérifie à peu près la zone à quoi elle ressemble. Je peux accéder au frigo, au-dessus de l'hôpital, c'est non. On va regarder ça, on va ajuster ça de suite. L'hôpital, si, ils peuvent arriver là. Ici. Et bien sûr, ils passent là. Ça va faire ça, comme ça. Ok. Pour ressusciter des ghouls, c'est pas avec les fragments, c'est un autre truc dans les recherches. Ah bon? Bah, il me semblait que c'était fragments. Résurrection de ghoul. Ah putain, sérum de résurrection de ghoul. Capsule contenant un liquide gris épais, mélange de poussière de résurrection et de produits biochimiques avancés. Injectez-la dans un corps. Ok, bah, autant pour jeu. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait cette ce laboratoire-là. Il doit être fait avec de la bioférite. Oh, Kergan, merci beaucoup pour ton resub 37e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Kergan. C'est ton âge, 37, Kergan? Je l'ai pas dit fort. Voilà, faut le dire ça comme ça. Et bonsoir, Wesna. 20 viandes difformes et bioférite, c'est noté pour en faire. Ok, ça marche. On va dire ça, oui. Voilà, exactement. On en était à vouloir déménager donc l'hôpital ici. Et rappelez-vous, je voulais déménager le laboratoire pour faire les médicaments et tout ça ici. Donc ça va se faire comme ça. Je pense que je vais faire... Alors attends, il est dans quel sens le truc? Il est du côté gauche, ça m'arrange pas. Je vais le positionner comme ça. Et l'autre, je vais le positionner en haut et on fera la porte ici. Ok. J'ai un cube de bonne qualité à déplacer. Il est où, The Best? Il me saoule tellement avec son cube. The Best, tiens, t'es là, t'en as deux. Allez hop. Chez. Quoique Yuki, il en a pas. Non, non, Yuki, il en a pas. Tiens, punition. Yuki, il a un cube maintenant. Ensuite, on va continuer à déplacer ça. On déplace les meubles, hein, c'est le cas de le dire. Ah oui, puis on avait la naissance là qui arrivait. Ouh là là là. C'est qui est en train d'arriver là? C'est The Best qui est en train de travailler?
Accouchement, dilatation. Ah, je rigolerais qu'il y ait des complications durant l'accouchement. Et là, je te jure, Dimbest, je te poque comme Nerariel. Si tu crèves, ça sera drôle. Allez, est-ce que tu arriveras à manger ? Oui. Let's go. C'est parti. Alors, si la tête est cubique, il y a des risques pour l'accouchement. Lol. Allez. Alors, c'est qui le papa déjà ? Ok. Alors, donc, Saitam. Alors, Safralang s'occupe de l'accouchement. Qui c'est que tu veux dans le... pour ton accouchement ? Est-ce que tu veux des bébés ? La salle, elle n'est pas tout à fait propre. On va la nettoyer vite fait. Iggy, s'il te plaît. Dis-moi vite qui c'est que tu veux pour l'accouchement, là. Histoire qu'on rigole un peu. Alors, Wesna pour lui donner des idées. Ah mais Wesna c'est devenu une jeune et fringante personne, c'est pour ça. Juste Wesna, ok. Me faudrait un mec. Oui, c'est un facteur important. On peut faire un bébé toute seule, mais dans certains facteurs, là, c'est compliqué quand même. Allez, let's go. Sinon, assimilation. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que pour Mali, je peux, là ? Est-ce que je peux, euthanasier, stériliser. On peut pas fertiliser un animal ? Il me semblait qu'on pouvait. Attends, je vérifie vite fait. Transformation en goule. Non, ça c'est autre chose. Ah oui, non, faut extraire un ovule. Alors attends, est-ce qu'on peut extraire un ovule sur un mâle ? Non, je crois que pour les animaux, ça marchera pas. Recherche à faire. Non, mais j'ai fait la recherche. Mais maintenant, est-ce que ça fonctionne pour les animaux, est-ce que ça, c'est encore autre chose, quoi ? Procédure de fertilité, inversion vasectomie, retirer un stérilé, effectuer une vasectomie, ligature des trompes, ok, très bien. Extraire sur la femelle. Ah, mais je peux pas. On ne peut pas. Donc, je pense que sur les animaux, ça marche pas. Prie pour que l'enfant soit mort-né, pas envie de travailler. Ah, c'est toi, Canton, le gosse ? Hey, salut Canton, merci beaucoup pour les 50 bits. Non, c'est Life Note. Ah ah. Ouais, c'est peut-être un mode Kago. Alors, par défaut, cette porte, je veux qu'elle soit fermée là. Parce qu'on va éviter de faire rentrer plein de saloperies. Bébé en bonne santé. Ok, c'est une petite femme. Alors, je sais pas si elle avait précisé. Children's School and Learning faisait ça. Ok, bonsoir, Barn. Ok, la modération, vous me confirmez, c'est Life Note. En peu importe. Donc, en gros, Life Note, welcome. Alors, Jekyll, tu n'en as plus besoin. Wesna apporte le bébé à la maman. Confirmé, ça marche. Ok, alors, la première enceinte, elle est faite. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai pas un trou béant. Je suis pas sûr. Avec la pluie, il supporte plus ou moins bien. Ah, quoique. Ah, non, t'as raison, il supporte pas bien. Festival Rominov, ça, c'est l'ouverture des toits ouvrants, ça, je crois. Hein. On est d'accord. Hein. Yuki apporte
Life Note à son landau. Alors, on en est au niveau armement. Ici, j'ai un très bon fusil à pompe. Qui n'est pas équipé en fusil à pompe ? Saitam, tu vas prendre un fusil à pompe. Parce que pour celle-là, tu me diras... Attends, non. Je dirais, il y a un bon fusil de précision. Jekyll. Équiper le fusil à pompe. Allez, let's go. C'est parti. J'imagine la conversation plus tard. Maman, mon premier anniversaire, c'était comment ? Oh, super. Invasion de zombies dans les flammes. Quentin, viens essayer de voir si on peut faire une petite réduction drastique de la population des ados. Parce que 36, ça fait beaucoup. Si on pourrait réduire un tout petit peu, ça m'arrangerait, je vous le cache pas. Bien, bien évité. Formidable. Ça se trouve, ça va les vénère. Ah bah, ça les a vénère. Peut-être fait une connerie, moi. Salut, Polika. Oh, putain. Fin de priorité. Bah voilà, il y en a moins, il y en a deux en moins. Bon, par contre, ils vont où maintenant ? Attaque mur en granit. Oh, punaise. Oh, punaise. C'est pas comme si Questna me l'avait dit, ça. Non, du tout. Mais de toute façon, je vous lis, mais arrêtez de discutailler, 5 minutes, j'arrive pas à me concentrer. Ah là là. Ok. Non, mais ça peut pas être pire, quoi. Ça peut pas être pire que... Enfin, ça peut pas être pire, quoi. Tire encore. Ouais, au point où est-ce qu'on en est, on peut tirer peut-être sur le premier, celui qui fait le malin. Alors, on va réviser la zone Fort Alamo. Alors, la zone Fort Alamo, ok, elle comprend ça. Elle comprend ici. Elle comprend là, on est d'accord. Alors, le meilleur endroit pour combattre. Ouais, la porte d'entrée, on va dire. La porte d'entrée. Alors, carnivore. Ils vont pas être assez cons pour me péter ça. Non. Oh, le tir sur le boomalop. Ça aurait été de la chance. Ok.
Ça va, large. Ouais, je le voyais pas comme ça, le truc. Non, c'est ouais, c'est pas... Ah, c'est pas... Comment dire? Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Là, ça fait penser un petit peu à Game of Thrones, tu sais, le dernier épisode, quand, enfin, sur la fin avec l'armée des zombies, et quand t'as tous les Dothraki qui foncent. Tu sais, ça semble beau, et ça semble beau. C'est... voilà, c'est... c'est beau. C'est magnifique. Salut Jekyll, de rien. Ok, let's go baby. Alors. Ok. Mais au moins. Alors, je vais être juste poli avec les animaux. Alors, que je vous lise un petit peu, les zombies s'étaient calmés en tuant les gars de l'Empire. Ouais, mais moi je suis pas calmé, moi. Ouais, c'est ça, Orion. Exactement ça. On parlait combien de morts? Oh, salut GG Mule, ça fait longtemps. Comment vas-tu?
Oxylate. Non, ils ont l'air calmes, mais là, là, on va peut-être les réveiller, là. Écoute. Je vais pas m'en plaindre. Je te le dis direct. S'il veut se la jouer, je suis mauvais. Je prends. Vaut mieux avoir un Z en exploitation ou plutôt un occulteur. Est-ce que je le vois ça? Production de bioférite 1,6. Ici, production de bioférite. Ouais, non, c'est moins rentable. C'est moins rentable. Écoute, Yuki, tu gères pour l'instant, donc je vais pas te gêner. Hein. Wesna, tu prends la relève. Ça continue, je vais faire une sortie, je pense. Il est pas mort, lui. Non, il est pas mort. Il est pas mort, mais j'ai rien d'intéressant. Un fragment. Un. J'ai vu qu'il pète la salle. Yuki, où es-tu mon chat Yuki? Tu es là. Et après, tu vas réparer ce mur. Tu restes en fort à la moi, s'il te plaît. Mes trois snipers, là, vous allez continuer à faire le taf. Wesna, tu vas manger. Ah! Ok, on est comme ça. Oh, cassez-vous! Salut Axo, merci beaucoup pour le resub. Merci énormément. Ok. C'est marrant qu'il passe pas la porte. Bon, moi, je veux bien, mais... Viens faire pampan en Katniss. Waouh, qu'est-ce que tu nous fais, Malivali? Qu'est-ce que tu nous fais? Allez, on sort. Merci, le yinche, le gros truc, là. Ah là 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 là. C'était pas dans le plan, ça. C'était pas dans le plan. Ça sent le sapin. Mais non, t'inquiète pas. Iggy va finir contaminé. Ouais, ça c'est sûr que Iggy a bien ramassé. Là. Safraline. T'en es où, là?
Exposé au gaz pestilentiel. Ok. On va reprendre possession de notre cour. Ok. Allez, on se détend. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Réanimation ? Mais c'est une blague ! Alors, petite connerie de se relever là. Il y en a d'autres là, parce que je vois qu'il y en a qui ont les yeux rouges. Donc, ferme la porte pour le gaz, ça rentre dans la salle à manger. Ouais. Réservé par Katniss. Transporte. Toi, t'es en plein dedans. Il y en a un qui est pas mort là. Alors, insignifiante, sérieuse. Insignifiante. On va checker le gaz parce que là, ça serait quand même gratuit. La bête est soignée normalement. Non, elle est pas soignée. Quentin.
Ok. Le gaz est la raison pour laquelle je n'aime pas les pestilences. Cela peut tuer une colonie en moins de deux. Ouais, effectivement. Faire gaffe. Faut faire gaffe. J'ai récupéré quoi? Plusieurs fragments. J'ai dû en récupérer deux ou trois, là. J'ai dû en récupérer deux ou trois. Où est-ce qu'ils sont, mes fragments? C'est pas fragment? Putain, je me plante à chaque fois. Normalement, c'est ça, hein, c'est fragment. Fragment, priorité critique. Alors, je vais les faire disparaître de tous ces endroits de stockage à la con. J'aurais dit un seul. Ah, il me semblait que j'en avais récupéré plus que ça. Il me semblait que j'en avais récupéré un minimum deux. Plutôt gênant. Alors, merci les gars d'être venus. Hein, c'est super sympa. Franchement, on vous remerciera jamais assez. Merci beaucoup pour le SAV. Enfin, je veux dire, pour la... Enfin, pour la bouffe, quoi. Je... C'est cool. Ouais. Je vais faire le second groupe, mais pour l'instant, tu vois, comme ils sont en train de partir vers le bas. Mais oui, je pense qu'on va faire le second groupe. J'ai affronté le plus gros, là. Là, il en reste combien? À peine une dizaine. Lui, il est mal en point parce qu'il a, il a brûlé. Refaire la porte aussi. Ah, mais je vais les repouler par là, s'il faut. Ça a bien fonctionné une fois, donc... Je vais attendre que tout le monde dorme. Ceux qui veulent se reposer, là. Alors, ok. Les cadavres sont dans une pièce fermée, avec un toit fermé. Non, ça va pas être possible, ça. Ok. Yeah, baby. Ok. Ok, ok. Ok. Alors. Alors, eux, je veux pas les affronter ici, on est d'accord. Quand on n'a pas de technique, on y va en la zob. On est d'accord. J'ai plus de cailloux. J'ai plus de cailloux. J'ai plus de cailloux. J'ai plus de cailloux. Mais j'ai du bois. Mais j'ai du bois.
que tu pouvais pas tout m'apporter d'un coup, Canton. Tu veux jouer avec mes nerfs jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, tu dis que c'est le bon plan, quoi. Non, c'est une technique, c'est une technique. Hein. Alors là, par contre, s'ils me font la même, là, je suis mal. Ok, on est mal, let's go! Ok, yeah, baby! Bon, écoutez, là, c'est le passage, c'est la victoire ou la mort. Les figus! Ils sont nombreux, ils sont 9. Ils sont neuf. Eh ben, on n'est pas sortis du sable. Alors, tous ceux qui peuvent se battre. Vous venez ici. Punaise. Jekyll, t'es mort. Ok. 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 Intéressant.
Ok. Le bébé, il est là. Le bébé, il est là. Le bébé, il est là. Ok, c'est géré. On remerciera les animaux. Le sacrifice était utile. Il en reste un ici, mais voilà. Bram, c'est un miracle que tu ne sois pas mort. Mali. Ça va, large. Ok. Alors, j'en ai combien c'est de captures? C'est passé à ça de la quiquette. Safraline, je vais avoir besoin de toi. Quentin, je n'ai plus besoin de toi. Donc, ce que tu vas faire, tu vas secouer Bram. Ensuite, j'en ai combien de capturables là ? Un ici, deux ici, trois, quatre. J'en ai quatre. Saitam, t'es joli, je crois. Je sais qu'il en reste un, c'est pour ça que je remonte pas tout le monde, Tanguy. Ensuite. Boys, y'a là. Viens là, mon ami. Alors, 1, 2, 3. Alors, boys, tu lui fais peur. Tu lui fais bien peur, hein. Tu lui fais bouh. Je te jure, ça marche nickel. Ok, bah ça a marché. T'as vu, tu lui as fait bouh, ça a marché. J'en ai combien de capturables ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 capturables. Faudra pas oublier de les soigner. Oui. Oh, il y en a qui avaient parié. Oh, annoncez-moi les paris, là, parce que moi, j'étais on fire, là. GG à Dimbest et à un autre. T'étais de quelle couleur, Dimbest? Donc, tous ceux qui ont parié à 1. Donc, Tanguy, merci beaucoup, Tanguy. Et Dimbest, merci. Orion va mourir. Oh, Orion, il avait mis au taquet de mort, quoi. Je ne te remercie pas, quoi. Et ils sont les autres, là. Safraline, je te félicite pas. Bravo, un mort. Non, mais c'est ça. Non, mais je t'en foutrais, moi. Hop, 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 hop. Et les autres, il y avait qui, là? Mimis, au coin. Barn, au coin. Ils sont où, les autres sales gosses, là? Galgarad, au coin. Non, mais je vous en foutrais, moi. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais pas vu, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Moi, j'espérais pire. Non, mais Angel Tini, toi,
Toi, je vais, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Alors, toi, tu restes ici. Toi, tu restes ici. Toi, tu vas rester ici, ici, ici. Ok. Alors, Safraline, tu captures le premier. J'ai entendu une ou deux exécutions. Il y en a déjà deux. En dehors de Fort Alamo ? Ah, vous inquiétez pas, on est tous en Fort Alamo intérieur parce qu'on a toujours les Z. Pourquoi tu peux pas le capturer ? Wesna, toi tu peux, toi. Alors Iggy, viens le faire à sa place. Alors, on capture. On capture. Il a couiné le cinquième ? Il a couiné. Et on capture. Ok. Ah, et peut-être qu'il est trop petit, hein, effectivement. Cobaye a fait fausse couche, je m'en fous. Non, tu vas les soigner. Non, non, qu'est-ce que je disais là ? Hop, 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 hop. Transporte. Salut Corbac ! Comme toujours, passage rapide pour faire un coucou, j'ai trop de retard sur le BD. Ça marche ! Bien essayé, Canton. C'est non. Ouais, je suppose qu'ils ont beaucoup de... Beaucoup de lignes... De Bobo. Ça semblerait logique. J'ai qui en troisième médecin ? C'est The Best. Tu soignes Bam ? Ouais, je vais te laisser soigner Bam. Brûlure acide un petit peu pour Wesna. Quentin. Tu soignes. Et tu soignes. C'est qui le troisième doc ? C'est Canton, je crois. Ouais, Canton. Tu soignes. Tatian Itachi. C'est Wesna la mineuse, je crois. Creuser les zones désignées. C'est pas mineur pour ça ? Forage en profondeur ? Me semble que si. Effectue forage en profondeur. Ok, ça va arriver après, là. Oh, ils font beaucoup, les dévoreurs. Je crois qu'ils font 3 ou 4. 4, tu vois. Non, c'est plutôt le bon plan, là. Si jamais j'en perds pas. Ça pisse quand même pas mal le sang, là. Mais c'est bon, ça va le faire. Et en plus, ça monte les compétences de soins. Donc ça, c'est cool. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ma technique sacrifiage des chips ?
Sacrifiage, ouais. On sacrifie les chips plutôt que des colons. On avait Boys qui nous faisait le petit appât. Et ouais, j'ai fait le choix de me faire doumer mon élevage, en sachant que, je vous dis, à partir du moment où il reste un mâle, une femelle, ça compte, quoi. J'ai pas de gros bobos, donc ça devrait bien se passer, quoi. Un dévoreur mort. Ah, mercredi. Ça, c'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool. J'ai pas fait gaffe à... C'est pas grave. Exactement, Galgarad, mais ça les occupe. Ça les occupe. Je préfère honnêtement qu'ils tuent des chips en boucle. Et que j'ai le temps de les doumer, ou moins, du moins de m'organiser, plutôt qu'autre chose, quoi. Ouais, je sais qu'il a fait super chaud en ce moment chez toi, Korbach. Par rapport à mon taf, mes collaborateurs de l'autre côté de l'Atlantique me disent que chez vous, ouais, c'est assez suffocant en ce moment. Nous, c'est plutôt temps pourri en France. Enfin, du moins, moi dans le sud-ouest, c'est temps pourri en ce moment. Ok, let's go. Ah, on a vraiment pas de bol en ce moment. Si Tanguy, c'est dû avancer les dévoreurs. Donc c'est tout bénef. Et ce qui est tout bénef aussi, c'est que là, Canton est en train de monter aussi ses compétences de soins, donc c'est parfait. Bonsoir Nico. Nord-Ouest aussi, c'est pourri. Oh là là, c'est dingue, quoi. Oula! Viens te relaxer en découpant du monde. Et les gosses, là! Nettoyez-moi tout ça, là! Nettoyez-moi tout ce bordel, là, s'il vous plaît, là. Les animaux, c'est soigné. Tu as les chevaux à soigner aussi. Ouais, j'ai du petit bobo. J'ai du petit bobo sur un étalon, là. Ah bah tu vois, Dimbas était sur le coup. Oui, je dois réorganiser les ateliers, effectivement. Les ateliers, je souhaitais les réorganiser. Donc tout ce qui était métal, j'allais bouger ça vers ici.
La pierre, je vais laisser ça ici. Voire même limite la couture, je peux la bouger aussi. Ça marche, Korbak, ciao ciao. Alors, c'est pas le moment qui me fasse la brume, là, parce que j'ai pas mal de chips qui sont encore dehors. Ce qui est plutôt mauvais, d'ailleurs. Donc, tout le monde va mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire, là. Non, du tout, Mimi, c'est juste que c'est rond, c'est gros et ça craque sous la dent. C'est pour ça qu'on les appelle les chips, les cobayes. Mais non, c'est pas du tout le nom anglais. Rien à voir. C'est juste le petit nom que je leur donne. Mais rien à voir. En gros, à la base, je suis parti sur cet élevage-là pour la simple et bonne raison que ça se reproduit très vite. Ça me permet de faire de la viande, tu vois, que j'utilise pas du tout, qui me servira pour ou pour mes animaux, ou pour mes carnivores, ou alors qui servira aussi pour les ghouls. Et ensuite, ça donne aussi de la fourrure de cobaye, qui a une certaine valeur marchande. Donc, en gros, c'est un très bon compromis en termes d'élevage. Alors, tac. Pardon. Pas le temps de bloquer les micros. Merci. ouais, la porte, non, elle va pas du tout être là. Elle va être ici. Par contre, je réduis un peu la taille de l'hôpital. C'est pas très grave. On va essayer de l'optimiser un petit peu mieux. J'ai vu Galgarab. J'ai dit qu'on faisait qu'une. Ouais, j'ai dit que je supprimais cette porte et que j'attends l'atelier ici. Ok. Deux fragments. Un dans la chambre, un moquette rose. Yes. Et l'autre dehors, entraîneur. Entraîneur ? Non, il a dû être ramassé, je pense.
Ils sont où mes fragments? Putain, il me semblait qu'ils étaient ici. Mm-hmm. Pourquoi il n'y en a qu'un seul? Je comprends pas. Je crois que le frigo déborde. Ouais, ça c'est le boulot de Kerghan, ça, normalement. Hein. Kerghan, il dort, là. Il est épuisé, là, un petit peu. Yuki. Viens dépecer un peu, là. Parce qu'effectivement, ça déborde. Là. L'autre, dans la construction de l'atelier de Mixo. Yeah, bien vu, Kago. Oui, il y aura une porte vers le garde-manger aussi, Jeanne. Mais d'abord, je finis tout le reste. Bon, je vois d'ailleurs si cette porte-là n'est pas mal positionnée, dans le sens où, en gros, il n'y aura pas de double sas. Donc, si jamais ça me fait trop baisser la chaleur, il faudra que je fasse un sas ici, là. Faudra que je fasse un sas ici. Ouais, je verrai à l'utilisation, on va dire. Je décalerai, je ferai un sas ici. Et là, de toute façon, ça, je le bougerai. Ok. Refaire la porte du rempart, c'est fait. Elle est pourrie, mais elle est faite. Mais c'est pas fini. Allez. Opportunité d'avoir des fragments, je prends. Je vous le dis clairement. Non, t'es pas obligé de venir. En fait, ça aurait dû être la chambre de gauche, le labo, car tu aurais pu mettre la porte dans le sas déjà existant. Merde. T'es pénible d'avoir raison, Jeanne. Alors, pourquoi je l'ai mis à droite? Pour pouvoir facilement faire les médicaments. Ouais, on verra. C'est pas très gênant, je perdrai peut-être une case d'optimisation. De toute façon, celles-là n'ont rien à faire ici. Il va falloir que je fasse une vraie crypte. Vraie crypte que je positionnerai peut-être ici. Donc on va voir. On va voir à la longue. Parce qu'on n'avait pas pensé à gauche. Pas de fragments.
Ok, c'est réglé. Et je suis en pleine possession de ma carte. Enfin. D'écarter tes troupes de chez moi ou je crame ton pays. C'est assez simple comme vocabulaire, ça. Réserve stratégique, hein, si jamais vous vous posez la question. C'est vrai qu'il y a encore les prédateurs. On va se remettre de tout ça et on va aller aligner ça. Il y a quoi d'ailleurs comme prédateur ? Loup, loup, lynx, loup qui justement est en train de bouffer, un ours, un mâle. Bram, t'es déjà un mâle, je crois. Ça, c'est ballot, ça. Ouais. Quelqu'un voulait un loup, je crois. C'est vrai, ça? Normalement, je suis pas fanat de 30 millions d'amis, mais voilà, quoi. Yes, ok. La difficulté de dressage d'un loup, elle est pas haute, je crois. Hein. Elle est pas haute, elle est pas haute. Que ça échoue. 100% si elle est blessée. Non, c'est bon. Ça peut le faire. Ok. Allez, on va essayer. Le plus jeune, 1 an. Perte de sang insignifiant, on va plutôt essayer de prendre celui-là. Alors, au niveau dressage. On va laisser faire le père Kerghan avec le loup. Non, c'est un chien. Oh, c'est pas grave. C'est pareil. C'est pareil. Les deux loups mâles ne donnent pas la même quantité de viande. Peut-être parce qu'il y en a un qui est plus âgé que l'autre. 107, 36. Ah, j'en ai un qui n'a pas survécu ici. Ah, lui, il est plus vieux, lui. Ah oui, d'ailleurs, c'est marrant. Il est plus vieux, il donne moins. Comment ça se fait ? Partie du corps manquante. Ah, il a une contusion avec la... avec ça. Multiplicateur de difficulté de sang et de poussière. Ah, la difficulté ? Alors ça, je savais pas ça. Le multiplicateur de difficulté change la quantité de viande ? Non. Vous le saviez, ça ? Que la difficulté du jeu... modifie les quantités de viande que les animaux peuvent avoir. Alors là, je viens d'apprendre un truc, là. C'est deux mâles, Wesna. Donc oui, on va tenter sur les mâles. Le paramètre ici, là, le troisième sur la ligne de droite. Alors là, je savais pas, là. Multiplicateur de difficulté de sang et de poussière. Les loups, ça transporte... je sais pas si ça transporte. Oui, si ça transporte. Intelligence avancée.
Élevage de loups. Non, 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 il n'y aura pas d'élevage. Là, c'est juste pour satisfaire la liste d'attente. Par contre, j'espère que le confinement, il est bon. Huit ans avant l'évasion. Ça va. Ça aurait pu être pire. On notera que le fragment a toujours pas été positionné dans le coffre prédestiné à ce dernier. Où est-ce qu'il était positionné ? En priorité basse, et là on est en critique, mais là on est déjà full, c'est ça ? Oui, il y a des blocs de marbre. J'en veux pas des blocs, moi. Alors oui, les prisonniers, on en était où ? Ça, c'est le jouet de Kergan, si je dis pas de bêtises. Kergan, tu veux faire encore un petit coup de rajeunissement ? T'as 43 ans, là. Et Madjai, je crois qu'il était en cours de recrutement, parce qu'il était bon en tir. Lui, il est bon. Hein. Il est même limite trop bon. En plus, il est bon en minage, donc il va pouvoir suppléer Wesna au niveau de l'utilisation de la machine là pour sortir des cailloux. Là, on était en Amadoué, et après, je lui ferai sa religion. Trentenaire, c'est mieux, je veux séduire Wesna. Oh, c'est beau, ça. Et Wesna, c'est une pimpente, hein, à 19 ans. Hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Je crois que là, on en a pas mal, par contre, des la bioférite. Donc, limite, tu vois, on va pouvoir faire une cérémonie, là. Une petite chronophagie. Soyons fous, profitons-en, c'est calme. Alors, Kergan, ton jouet, donc, c'est Abandlo. On s'en fout de la colère que ça va pouvoir provoquer. Safraline, Makina, The Best. Et qui c'est qui a encore... voilà, et ici. Sensibilité psychique, hein, c'est pas trop ton fort, hein, mais c'est pas grave. Let's go. Canton a aussi besoin d'un jouet. Ah oui, Canton, effectivement. On verra pour lui, pour lui trouver un jouet. Non, j'ai pas le temps de les confectionner. On a vu que ça fonctionnait. Je vais en faire. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que The Best et Saitam qui sont équipés de masques. Ouais, c'est ça. Safraline, c'est parce qu'elle a des pouvoirs psychiques. Et Makina aussi est équipée de masques. Donc, j'en ai 3 sur 5. 3 sur 5. Le deal est pas mal. Exactement, Kago. L'élevage de bioférite va être très très bon maintenant. Alors, les champs, c'est le bordel. Mais normalement, j'ai plus de cadavres qui se promènent. Je vais juste vérifier un truc, c'est au niveau des morts. Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Parce que je sens que le jeu va me faire un coup, c'est certain. Dans pas longtemps, il va m'en faire un. On va rallumer le brasier d'ailleurs. Parce que là, je commence à en avoir beaucoup. Non, non, on touche pas à Ares. Hop. Ok. Oui, exactement, Safraline.
On va regarder ça, Wesna. Alors, chronophagie. Kiergan a rajeuni 33 ans, Brelon a pris 9 ans. La cicatrice a néanmoins guéri. Plus de cicatrices de brûlure, plus de démangeaisons. Les dévoreurs sont automatiquement étudiés par Quentin et The Best, donc ça se passe bien. La Westna est en train de finir le minage pour l'extension des chambres au sud. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir un petit peu mieux s'étendre. Kiergan a été exposé au gaz, ouais, mais 63%. Ah oui, pas mal quand même. Je vais refaire un petit check. 56. 54. Normalement, il n'y a plus de zone où est-ce que vous pouvez être exposé au gaz. Sauf la personne qui va cramer les corps au sud. Mais je vais surveiller. 91, Yuki. Katniss. Waouh, on va se calmer là. Jekyll, tu vas t'occuper d'aller cramer les corps, s'il te plaît. Ok. D'accord, je vois à cause de ça. C'est à cause de ça. Makina organise une fête. Avec Ramzan, petit dernier, et va assister à la fête. T'as pas un cocktail Molotov pour cramer tout ça? C'est une bonne remarque, ça. Je sais plus si j'avais gardé un Molotov. Cocktail Molotov. Ouais, mais la porte, elle est en bois. La porte est en bois, donc c'est une connerie. Pour l'instant, c'est une connerie. Je suis à mon poste. C'est pas le cas de tout le monde. Blablabla, bon, on sent les personnes mal tenues. Oui, on peut regarder West. Alors, tu t'entends bof bof. Mais après, je peux vous mettre des heures en commun, pas de souci. Westna, t'es déjà sur Iggy, mais je peux mettre aussi avec Kiergan, hein. Soyons fous. Hein. Quentin a une inspiration en tactique de recrutement et tactique de recrutement et on pourrait peut-être dans 7 jours on va essayer de le convertir et après on fera la tactique de recrutement. Attends, on va peut-être faire plutôt une cérémonie.
67%, ça se tente. On refera l'entraînement à l'arc après. Il est pour qui, Matt Veil, si jamais on le recrute ? Et on notera que les dévoreurs, c'est une entité avancée. Ce qui veut dire qu'en gros, je n'ai toujours pas débloqué la basique. Hein. Tire plus médecine, c'est Merek. Ok. Ah, mercredi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Qu'il a limite repris de l'assurance. Dommage. Oui, mais est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire ? Je l'ai vu qu'on était à fond hein, au niveau de la réforme. Maintenant, est-ce qu'on aurait besoin de quelque chose ? Créer un poste de corps à corps ? Parce qu'on sait que Kargan et Iggy seront destinés à faire du corps à corps. On pourrait faire un rituel pour attirer les zombies quand il sera disponible. Ouais, ou alors à une entité que j'ai pas encore fait, quoi. Porte changée, tu peux les cramer. Yes. On va réfléchir. Pour l'instant, je vois pas trop exactement ce que j'aurais besoin en termes de réforme. Honnêtement. Les champignons, j'en ai pas besoin. Les champignons, je m'en sers pour les animaux. Le mode pour les spécialistes marche. Ok, on était sur quoi ici ? Sur de la moquette bleu marine. Bleu marine, let's go. Voyageurs, ça tombe bien. On n'est pas gentils, nous. Alors, papapapapap. Alors. Un groupe de pauvres voyageurs s'approche et cherche de l'aide. Les voyageurs m'ont dit pour 70 herbes médicinales. Ils ont besoin de médicaments pour tenter de sauver la vie d'un compagnon. De voyage. Qui a été attaqué par des mécanoïdes. C'est ballot. Vous pouvez donner des objets. Bien sûr. On peut. Maintenant, est-ce qu'on veut autre chose ? Mais on peut. Les voyageurs partiront après un jour. Non, ils partiront avant. Enfin, partiront entre guillemets, quoi. Ces voyageurs ne font partie d'aucune faction. Chez.
Alors, 5 humains. Est-ce qu'il y a des personnes intéressantes ou intéressées ? Alors ici, on a un Litakin. Et là, ici, on a un cochon. C'est dommage, on n'a pas de savant. Parce que Boys, par exemple, c'est un savant et ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très cool parce qu'ils sont très corvéables à souhait, les savants. Les stats, j'ai pas regardé, pardon. Alors, lui, il est nul, il ferait un très bon esclave. Interdiction violente, c'est parfait, ça. Pyromane, ça crève, ça. Dépressive et douillette. Ça crève, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, ça fait un bon esclave aussi. Et ici, affreuse et voix agaçante. Ça crève, hein. Il n'y a que des esclaves. Par contre, oui, il peut y avoir des joujoux. Effectivement. Donc, on retient. On retient... Defeat, ça ferait un bon esclave. C'est d'ailleurs lui la cible prioritaire. Defeat, on va le capturer, ce qui va énerver tous les autres. Coyote, ça serait du bonus. Ça serait pour le jouet de Canton. Et le reste, ça crève. Donc Defeat, on capture. Coyote, c'est un bonus. Voilà. Voilà le credo. Effectivement, ça serait terrible, Jando. Non, il tape pas non plus, non. Donc l'idéal, c'est de choper deux esclaves. Comme ça, j'aurai les deux chambres ici remplies. Et de choper un autre. J'ai pas de massue, là. Parce que taper avec le plat de l'épée, c'est pas ouf. Bah, c'est trop ouf, pardon. C'est... Ouais, mais ils vont vouloir se rebeller. Je sais pas ce qu'on va faire, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Ok, comité d'accueil, let's go. Boys, tu vas venir récupérer ton joujou ici, s'il te plaît. Oh, ça s'est éteint. Elle est où ma statue ? Quoi ? Quelle statue ? Ah oui ? Ah oui, elle est où ta statue ? Ah ah ! C'est une bonne question, hein ? Je crois que c'est celle qu'on a déplacée dans la chambre... Dans la chambre de deux, hein. Alors, bonjour.
le printemps. La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Alors. 100%, 100%, et là, ça se rebelle. Une balle de fusil à pompe a traversé le mur quand les zombies ont attaqué. T'es sûr, Tanguy ? Ça, faudra les clipper, ça, si c'est le cas. Aucun lit disponible. Pop, 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 vous inquiétez pas. Ok, comme d'hab, on n'en arrête qu'un seul. Tire pas dans le dos, hein. Putain, mais hé, annoncé compte double, Quentin, hein. Ah là 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 là. Bon. Comme d'hab, le plat de l'épée, c'est trop radical, quoi. C'est trop. Après, je vous dis, on n'est pas des gentils. Hein. Je ne vais pas faire des masses, spéciales captures, etc. Ça fait partie des statistiques, les gens. Hein. Le principal, c'est comment on en est chopé un. Et puis voilà. Allez, comme dit la modération, donc c'est l'heure du coffee time. Donc pour ceux qui sont en direct, comme d'habitude, on se retrouve dans quelques petites minutes. Et pour ceux qui sont en différé, bah, écoutez, ça sera au prochain épisode, parce que là, c'est l'heure de la pause café. Allez, à de suite, les gens. Bye bye.